Yippee! Attention! Wouhou! Hey, hey, hey! Bienvenue sur Max Gaming! Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau jeu qu'on n'a jamais fait sur cette chaîne. Le jeu n'est pas très récent, mais il est génial. Il s'appelle Portal 2. Et vous le voyez, on est dans une espèce d'entrepôt futuriste avec deux petits robots. Moi, je suis celui de gauche, vous le voyez. Mais qui est l'autre robot, le robot orange? Qui es-tu? Manifeste-toi maintenant! Je suis Maggie! Oh, c'est Maggie! Nous jouons, Maggie et moi, à Portal 2. Elle contrôle l'écran de droite. C'est un jeu d'action-réflexion dans lequel il faut coopérer pour passer des énigmes dans des salles. Et on a un pistolet très spécial dans les mains, puisque c'est un pistolet qui nous permet d'activer des portails magiques. Vous le voyez, je peux placer un portail bleu clair et un portail bleu foncé violet. Et quand on passe dans l'un, eh bien, on sort dans l'autre. Et Maggie, elle, peut placer deux portails. Oh, elle est tombée. Au revoir, Maggie. Oh, boui-boui. Elle a chu. Elle est tombée, mais elle va être respawnée juste ici. Coucou. Fais-nous la démonstration de tes deux portails, Maggie. Place-les à la place des miens. Alors, elle peut placer un orange clair et un rouge. Et quand elle passe dedans, eh bien on atterrit de l'autre côté. C'est la magie. C'est la magie de Maggie. Alors bah, nous allons aller directement dans l'environnement numéro 1 qui s'appelle le travail en binôme. C'est le chapitre 1. Et il y a plusieurs niveaux à l'intérieur à chaque chapitre. Nous allons commencer bien sûr par le niveau 1 du chapitre 1. Nous nous mettons dans les téléporteurs. Et hop! On se fait démonter. Ah là, on est complètement démonté. Les robots sont mis pièce par pièce. Alors, est-ce que tu connais ce jeu? Un petit peu, oui. Oui, c'est un petit jeu très très connu, très sympathique et bien fait et drôle. Vous entendez la voix? Eh bien, c'est celle qui nous fait des tests. C'est une intelligence artificielle et elle est un peu méchante. D'accord. Ok. Alors, vous le voyez, hein, on arrive dans des salles comme ça. C'est les salles des énigmes. Alors, si elle appuie sur le bouton, la porte s'ouvre. Et si elle ferme, enfin si elle n'appuie plus sur le bouton. Donc il suffit de passer. Et moi, j'ai l'autre bouton pour la faire passer. Et ensuite, est-ce que cette porte s'ouvre? Non. Alors, repasse. Est-ce que... Ah oui, il faut que tu... Maintenant, il faut que tu appuies sur l'autre bouton. Ici. Sauf qu'il faut rester appuyé. Je ne comprends pas très bien. Ici. Ah, nana. Ici. Oui. Et là, je passe. Ensuite, point de collaboration scientifique. Je place un portail là. Un portail là. Et tu peux revenir. Oui. Et on passe là. Et on est tous les deux de l'autre côté. Et la sortie se trouve juste ici. Ou pas. Juste là, en fait. Et il faut que la caméra nous voit tous les deux et on peut passer. Voilà! Vous avez compris le concept? Sauf que chaque niveau va être de plus en plus dur. Effectivement. Avec des cubes, avec des boules, avec des projectiles, des énigmes en tout genre qui vont vraiment nous faire creuser les méninges. Et vous aussi d'ailleurs, vous allez essayer de comprendre avec nous. Alors, ici, on a un bouton. Quand on appuie le bouton, ça ouvre là-bas. Mais ça referme tout de suite. On ne peut placer des portails que sur les surfaces blanches. Vous le voyez, ici, je peux pas en mettre. Donc, elle a mis un portail là. Elle peut donc y aller. Enfin, ceci dit, je peux y aller aussi. Les portails, on peut chacun les utiliser l'un l'autre. Oui. Donc là, je vais l'ouvrir la porte. Et alors, qu'est-ce qu'elle voit, elle, de l'autre côté? Elle voit une surface blanche. Ah, et la sortie. Oui, mais tu peux pas sortir toute seule. Je vais placer mon portail rouge. Le rouge. Donc, ce qui fait que moi, maintenant, est-ce que je peux venir? Oui. Et ben voilà. Oh, ce fut simple, hein. Somme toute assez simple. Sauf que c'était pas la fin du niveau. Oh. Là, vous le voyez, on a quatre symboles. Triangle, croix, point, lune. Et on a des boutons ici qui correspondent à chaque fois. Sauf qu'il y a un chrono. Vous le voyez. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Maggie? Il
il faudra appuyer sur les boutons en plaçant des portails. Ouais, mais faut appuyer sur les boutons vite parce qu'ils ont un chrono. Donc faut être le plus près de ce bouton-là. Et il faut utiliser portail. Bah oui. Alors, on appuie sur les boutons du bas ou du haut d'abord? Du bas, vu qu'on est en bas. Allez, 1, 2, 3, on y va. On passe le portail et on active l'autre bouton. Oh oui! Ça libère une boule. La boule, on peut l'attraper, regardez. Et on peut la placer sur le réceptacle à boule. Ah, ou pas. Boule. Bonne équipe, grâce à celui d'entre vous qui fait tout le travail. Boule, hein? C'est ça. Je crois que je gêne. Et nous pouvons passer! C'est formidable, c'est génial. Wouhou. C'est magnifique. Alors bien sûr, hein, c'est un travail de coopération. Oui. Attention, démontage en cours. Veuillez patienter. Peabody, c'est le nom du orange. Ces tests peuvent se révéler mortels si vous ne maintenez pas une communication. Alors là, on a un laser, on a un cube. Et le cube, vous le voyez, peut diriger le laser. On peut par exemple viser son petit camarade, c'est assez sympathique. Mais alors, c'est pas le but. Le but, c'est d'activer à la fois ça avec le laser et à la fois ça avec le laser. Alors, comment qu'on fait, ma gueule, ne me fais me oui. Faut faire traverser. Ah oui, vous l'avez vu, elle a mis un portail là et là. Sauf que regarde, je crois qu'il est un peu mal placé. On n'est pas, il est pas en face, le rouge. Ah oui. Ah, c'est mieux. Et donc moi, je dois faire la même chose. Oui, de l'autre côté. Et là, vous le voyez, on voit au bout, comme s'il y avait un trou dans le mur. Et il suffit de viser. Pour que ce soit aligné, que ça passe dans les deux. Tout simplement. Oui. 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 Elle rebondit. Bondit ! Ah ! Même concept, mais différentes salles. Si j'appuie, ça fait tomber un cube. Je prends le cube. Et là, ça enlève les plateformes. Ah, et du coup, je peux neutraliser les robots parce que le laser passe à travers. Ouh. Voilà. Monstre. Alors ensuite, vous voyez, je peux mettre le laser là-bas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, ma gueule ne me fait ne me lit. Ah. Ouh. Donc, elle a activé ça, mais il faut également activer celui en haut. Donc, le laser, il vient là. Donc, je mets un portail là et l'autre. Et l'autre, il faut le mettre là. Et ben voilà, ça active l'escaleuilleuilleuille. Youpi! Divulguer les scores de chacun fausserait les tests. Oh. Mais je peux quand même vous révéler qu'au moins l'un de vous deux a de très très bons résultats. Merci. Vous pouvez rejoindre la salle de test suivante. Ils essayent de semer la discorde. Ouais, Discord. Tu m'as dit Discord. Discord. Non. Mais si. Et le bleu s'appelle Atlas. Alors. Ah, qu'est-ce qu'ils font? Fashifumi. D'accord, on peut faire des gestes. Vous avez trouvé une répartition judicieuse des tâches. Shifumi. Oui. L'autre se tient prêt à mettre son énorme arrière-train à contribution. Son énorme arrière-train. Transforme en concours du plus gros mangeur. Oh, vraiment. C'est des robots, ils mangent pas, enfin. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, ça monte. Ici, ça descend. Et il faut aller chercher le cube. Alors, qui appuie sur les boutons et qui va chercher? J'appuie sur les boutons. Tu vas y arriver? Oui. Alors... je crois qu'il faut que je commence là. Je suis maintenant dans la partie. Vous pouvez me voir dans l'écran de droite, c'est l'écran de Maggie. Je peux avancer. Hop! Vous voyez, j'avance, je progresse. Oh. Hop! J'avance. Vous voyez, il faut qu'elle calcule dans quel sens je vais aller. Je récupère le cube et je fais chemin arrière.
Alors attendez, parce que je peux placer un portail ici. Tu peux reculer et me dire... Ah, faut que je place le bleu ciel. Hop, et je suis de retour ici. Coucou. Coucou. Donc maintenant qu'on a un petit cube, on va pouvoir utiliser le port autonome Phenomenal. Ah, là. Là. Alors, où est-ce qu'il faut l'utiliser, le portail? Il faut l'utiliser là où il faut l'utiliser. Alors, vas-y, dis-moi où. Là. Et là. Voilà. Aha! Malgré les apparences, it worked! Les points de collaboration scientifique ne sont bon, pas le seul. Vous le voyez, pour l'instant, on maîtrise, mais en même temps, c'est le premier chapitre seulement. C'est facile, facile. Compte de nombreux paramètres. Par exemple, Orange, vous venez de perdre 2 points de conseil contextuel. Pauvre Orange. C'est Tic Tac Orange, et moi je suis Tic Tac Mante. Atlas et Peabody vous présentent. Le Shifumi. Je me répète. Ah, un cube. On voit les coulisses. Orange gagnerait. Oh. Mais ce n'en est pas une. Alors, nous avons 3 petits points où on peut mettre le laser. Ça ouvre ça. Donc il y en a un qui doit activer les portails là, les clés. Et l'autre qui doit avancer. Visiblement, c'est moi l'autre. Alors. Oup. J'avais oublié qu'il faut que je fasse ça. Parce que. Oh là. Fais-le monter, fais-le monter. Ah, ça monte, ça monte, ça monte. Le fais monter au plus haut. Plus haut. Oui, parce que dès qu'elle lâche, ça retombe. Et si je vais dans l'eau, évidemment, étant un robot électrique, je décède. Alors, et là, il faut qu'elle active ça. Voilà. Je passe. Et oui, je suis passé. Maintenant que je suis passé là, je peux activer un portail ici. Et, oh, bah elle est tombée. Elle a fait plouf. J'ai pas regardé derrière moi. Ah non, non, là, t'as pas regardé. Alors, attendez. Je crois que si je mets un portail là, elle peut me rejoindre. Oui. Bon, encore faut-il placer le bon cube. Enfin, dans le bon trou. Moi, je vais la voir arriver par là. Vous allez voir, c'est magique et fantastique. Regardez, elle est là. Woohoo. Hop. Et maintenant, la caméra nous voit et on passe. Je veux préciser, le travail d'équipe consiste à collaborer à 2 ou plus, généralement dans le but d'éviter un ratage intégral. Oh, on n'est que 2. On peut pas faire plus, enfin. Oui. C'est n'importe quoi. En fait, on se fait démonter et remonter à chaque fois. Oui. On n'est peut-être pas les mêmes robots, alors, au final. Parfois, les tests doivent s'affranchir de l'espace clos du laboratoire. Le test est tellement conceptuel Peabody et conformiste que je ne vous en indiquerai même pas l'objectif. Oh, quelle vilaine. Ah, regardez, je vois un truc blanc là-bas. Allez, j'ai mis un portail bleu, et là... Oh, oui. Alors, regardez, quand on passe là-dedans, dans ces espèces de barrières bleues, cela enlève les portails déjà mis. Et on peut pas faire passer d'objets. Donc là, on a une poignée 1, une poignée 2. J'imagine qu'il faut les faire en même temps pour ouvrir cette porte-là. 1, 2, 3. Oui ! J'ai mis un portail. Et maintenant, je peux passer de l'autre côté. Alors. Apparemment, je peux prendre le CD-ROM. Et. Eh ben, je vais le placer là où il faut le placer. Oui. Je pense avoir vu le symbole CD-ROM ici. Insère le disque. Ça y est. Félicitations, vous êtes parvenu à la fin de ce test du tout. Ah, on a terminé le premier chapitre. Ah. Bravo, bravo. Je n'aurai d'autre choix pour vous récupérer que de vous démonter violemment avant de vous remonter avec minutie. Violemment. Vous êtes insensible à la douleur. Pourquoi autant de méchanceté? Vous ne pouvez pas manifester que vous la ressentez. Mm-hmm. Ce qui a c'est bien dommage. T'as vu ce qu'il y avait marqué sur le tableau? Do not trust her. Bah ouais. Faut pas la croire. Ouais. Y'a des sauges douces ici. Et on revient là. Donc maintenant qu'on a fait le 1, on va passer au 2, le chapitre 2 qui est juste en face. Masse et vélocité. Donc pour y aller, on fait un portail. Voilà. Plou. Oh, elle est arrivée d'un coup. Bien sûr, on commence par le 1. Le 1.
Wouh! Yeah! Comment? Donne tout ce que t'as. C'est parvenu. Masse. De l'assurance aux humains. D'accord. Pour atteindre cet objectif, les tests étaient simplement composés de 5 minutes de marche. D'accord. Suivi de 10 minutes. Alors là, il faut qu'on aille là-bas. Mais nos sauts sont trop petits. Bon. Alors qu'est-ce qu'on fait, Maggie? J'ai changé les tests pour les rendre beaucoup plus complexes et beaucoup moins inutilement gratifiants. Y a pas de portail là-bas. Comment on fait? Peut-être que moi je peux en mettre un et je le remplace ici. Et peut-être que si tu sautes dedans. Wouh! Elle a été projetée. Alors, maintenant comment je fais moi pour y arriver? On prend donc mon portail. Ok, après. On remplace celui-là. Yippie! Coucou! Coucou! Voilà, vous avez compris? Quand on utilise de la vitesse dans les portails, eh bien, on est projeté. Ha! Alors, on peut mettre des portails là, on peut mettre des portails là. Tu peux pas faire office de balle? Ben non. Non, toi tu vas faire office de balle, t'es rond. Oh oh oh! Hé, reviens! Non! Reviens! Ah, j'ai compris, il faut qu'il y en a un qui descende. Ça va être toi. Il faut que tu mettes un portail là, là. Où? Là, sur le truc blanc. Pas là, non, l'autre, en face. En haut. Là, et un autre, là, en dessous de moi, là. Alors là, normalement... Wouh! Ça y est. Donc, je peux appuyer ça. Ça fait quoi? Ah! Donc, il faut qu'on soit tous les deux appuyés sur le bouton. Il faut que tu... Eh bien, moi, il faudrait que je... Alors, attends, j'ai une idée. Je sais, il faut que rentre. Je sois là-haut. Il faut que tu mettes... Et oui, ensuite, le que rouge. Je mette mon portail. Non, non, non. Faut que tu mettes le rouge en face de là où il est actuellement. Non, 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 non. Regarde où il est, le rouge. Tu le mets en face, là. Ensuite, tu vas venir dans mon portail violet. Et ensuite, tu vas sauter dans ton jaune. Ouais. Et voilà. Et maintenant, tu peux appuyer sur le bouton. Aïe. Libération de la boule. Ah. Voilà. C'est bon. Vous avez savamment placé le cube de sécurité sans bord. C'est une boule, arrête. C'était pas un cube. Oh. Cube de sécurité. Oh. Oh. Je peux laisser tomber les compliments. Vous n'avez pas idée à quel point c'est fatigant de féliciter quelqu'un qui a placé un cube de sécurité sans bord dans un réceptacle conçu spécifiquement pour un cube de sécurité. Elle est méchante, sans bord. Mais en même temps, elle est pas contente parce qu'on gagne. Ah oui. Voilà. Et on va gagner. Oui. Deuxième niveau de ce chapitre 2, Peabody. Poum! Fusillade, noyade, broyage, brûlure à l'acide. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, j'énumérais les causes de mortalité chez les humains. Ah, c'est sympa. Vous, elles ne vous concernent pas. Alors, on a un bouton ici indéfiniment qui à la perfection libère ça. Ah, le saut, d'accord. Il y a un saut à faire. Là. Il faut qu'on se fasse projeter de là. Alors, je pense qu'il faut mettre un portail là. On peut mettre un portail. Non, il y a là aussi, regarde. Ah, effectivement. C'est-à-dire que toi, tu peux en mettre un là, le jaune. Non, en bas. Moi, je peux en mettre un là, mais faut qu'on tombe, faut que je le place ailleurs pour qu'on puisse tomber, tu vois, et être projeté sur le rouge. Complexe. Mais où est-ce que je vais le mettre? Ouais, pas un là, non. C'est quand même compliqué, cette histoire. Ou alors...
Ah non, parce que moi, si je passe par là, ça va enlever le mien. Regardez. Hop, ça enlève mes portails si je passe dans le truc. Tu devrais peut-être mettre le tien là. Bah oui, mais ça changera rien. Non, je peux pas passer là, regarde. Hop. Pourquoi ces petits trucs blancs là si on peut pas tirer dessus? Ouais, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Mais on n'est pas obligé de mettre au milieu, on peut partager la toile. Bah oui, mais ça sert à quoi? Non, non, là on. Vas-y, essaye. Non, tu vois, il veut pas. Et ce bouton, il doit bien servir à quelque chose, on peut pas tirer les portails là-dessus. Tu vois, je peux pas mettre de portail quand je suis là. Oh, dis donc, celui-ci, là, il nous prend la tête un petit peu. Alors, attends. Observons bien partout. Il n'y a pas une surface blanche qui peut... Ah, attends, vas-y, saute, toi, pour voir. Parce que c'est pas tes portails, c'est les miens. Ouais, mais ça va pas assez vite. Il faut que tu sois projeté vers le haut. Alors, attends. Vas-y. Va dans mes portails. Et reste là. Parce qu'elle va... Non, reste au milieu. Faut que tu vises... Que tu fasses que tomber. Voilà, bouge pas, bouge pas. Ah, bah voilà. Et maintenant, d'un coup d'un seul, attention. Ah oui, non, il faut que j'active ça. Attention. Oh, fallait enlever le bleu clair. Ouais. Attention. Wouhou. Alors, ça a fonctionné. Alors maintenant, comment on fait? Y a pas de matière blanche ici, je peux pas... Le bouton ici, il fait quoi? Il fait la même chose. Bah là, on n'a pas le choix, qu'est-ce qu'il faut faire, Maggie? Il faut que je te fasse faire la même chose. Voilà. C'est dur de viser avec une manette. Ça, ça prend. Ouais, faut poser, laisser le doigt dessus, toujours laisser le doigt dessus et gérer la vitesse. Comme ça. Le temps. Wouhou. Ah. Eh ben oui. Oh. Tu n'as pas déclenché le truc. C'était très joli, c'était un état crêpe magnifique. Et eh ben voilà. Youpi. Nous avons réussi. Chacune de vos erreurs, je me rappelle le bon vieux temps. Oh. Et à chaque fois, vous revenez frais et dispo. Eh oui. S'il ne s'était rien passé. Et ouais. Et voilà, nous sommes au niveau 3 du chapitre 2. C'est ainsi que ça va se terminer pour nous aujourd'hui. Nous avons montré le concept, nous avons fait quelques niveaux. Dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'oubliez pas de laisser un max de likes, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aujourd'hui à nos amis, Maggie? Abonnez-vous. Oui. Alors d'ici la prochaine, portez-vous bien, plein de gros bisous. Bye. Bye. Vous avez l'avantage d'être un exemple idéal. Bonjour, coquin.